tonight. We can find some place to go. Salut tout le monde, c'est Kirito Knight 064 et Ishkiti Blacky, on espère que vous allez bien. On est là pour la suite de votre Let's Play sur Final Fantasy XIV, le 14e épisode de la saga Final Fantasy et accessoirement MMORPG. Mais Frid a besoin de votre aide pour retrouver une personne disparue. Dis, tu n'aurais pas aperçu Galien par hasard ? Je suis allé le voir pour lui donner l'ongu que tu as apporté, que tu nous as apporté, mais il n'était pas sur sa paillasse. Il s'est barré ? Oh merde alors. Beaucoup de mes hommes ont été blessés au cours de notre périple, mais Galien est de loin celui dont l'état est le plus préoccupant. Si on ne traite pas ses blessures rapidement, l'infection se propagera et il mourra comme un malpropre dans cette maudite forêt. Mais je croyais déjà qu'il n'était pas censé passer la nuit. Hein. J'ai besoin que tu m'aides à le retrouver. Commence par interroger Albreda, s'il te plaît. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Je comprends pas. Dans l'épisode précédent, t'as dit qu'il allait pas passer la nuit, et là il se barre de son lit. Eh ben quand même. Oh. Galien a disparu, vous dites ? Je n'ai rien vu de particulier, mais peut-être que je peux vous aider. En effet, ce garçon m'a confié une lettre il y a quelques jours. Attendez, je vais l'ouvrir. Capitaine Mifrid, je ne supporte plus d'être un fardeau pour vous. Il est temps que je vous laisse. Ne vous inquiétez pas pour moi et poursuivez votre marche vers Petit Alamigo. Si j'avais su ce qu'il mijotait, qu'il projetait de s'en aller, je n'aurais pas attendu avant d'ouvrir cette lettre. L'amour qu'il porte à ses frères d'armes est si fort qu'il est prêt à se sacrifier pour eux. Ne vous méprenez pas. S'aventurer dans la forêt, dans l'état où il est, c'est tout simplement du suicide. J'hallucine. Il est fou. Galien est fou. Quoi ? Il est parti seul dans les bois ? L'abruti ! Mes hommes et moi allons nous séparer pour attisser la forêt. Il va sans dire que ton aide est la bienvenue. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de retrouver Galien vivant. Son état est préoccupant, il n'était pas censé la nuit et il décide de se faire une petite virée en forêt. Eh ben... Il tient pas beaucoup à la vie, lui. Il est passé où? Alors la zone de recherche, elle est par là, d'après la carte. Camp de gobelins. On n'en voit pas beaucoup des gobelins, c'est étonnant. D'ailleurs, je crois pas qu'on ait vraiment déjà eu affaire à eux, à part... c'est Sweet Nix, je crois, celui qui nous a fait appris à faire des matérias. Il est là, Galien. Attention, un gobelin. Aventurière méchante, aventurière. Gobelin pas aimé, aventurière. Attends un peu, toi, tu vas voir. Gobelin faire boum boum avec les pompes, boum boum, et faire sauter aventurière, comme ça, psh, psh. Donc ça me démangeait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait la voix d'un gobelin. Bon, le traquenardeur gobelin, il est cuit. Galien! Captain, que faites-vous là? Je croyais que vous étiez déjà parti? Abruti! Pour qui tu me prends? Jamais, tu m'entends? Jamais je ne laisserai tomber un de mes hommes. Je te porterai sur mon dos jusque dans le Tanalan méridional s'il le faut.
toi et moi, on a prêté serment. On a juré sur Gralgr de récupérer notre patrie. Je te laisserai pas mourir tant qu'on n'aura pas foulé de nouveau le sol de notre cher Alamigo. T'as compris ? Oui, capitaine. Bien, rentrons. Tout le monde s'inquiète pour toi. Ah, et ne crois pas que tu vas t'en tirer à si bon compte. Lorsque tu seras remis sur pied, je te ferai payer ta bêtise le prix fort. C'est clair ? Merci mille fois, aventurière. Sans toi, Kalien serait sans doute mort. Je vais le raccompagner au moulin de la carrière. Viens me voir plus tard. Entendu ? Et pas commode. Et pas commode, le Mifrid. Mais, dans le fond, je pense que c'est pour le bien de ces hommes. Il aurait pas couru comme ça, sinon. Il y a une ambiance quand le soleil se couche. Bon, le mode touriste, on va le désactiver parce qu'à chaque épisode, je crois pratiquement à chaque épisode, je vous fais le coup. Donc on va désactiver un petit peu le mode touriste de Kirito. Les blessures de Gallien sont plus sévères que je ne le pensais. Je crains que mes hommes et moi soyons contraints de rester ici plus longtemps. Et moi qui avais hâte de quitter cette forêt inhospitalière. C'est bien ma chance. Oh, ça va, ils vont tous se remettre sur pied, j'en suis persuadé. Oh les cœurs. Allez, on a fini le petit tour. Mais Frid veut vous récompenser pour vos efforts. Maintenant que j'y pense, Albreda m'a dit que tu étais venu ici dans le but de trouver des soldats de l'armée de la libération migoise. Comme tu le sais, j'ai moi-même le grade de capitaine. Si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider, dis-le-moi. Et si c'est dans mes cordes, je le ferai avec plaisir. On va y arriver, oui, parce qu'il y a un vieux grincheux là-bas, je peux pas le convaincre. Tu veux que les habitants de Petit Alamigo t'aident dans ton enquête ? C'est tout ? Tu ne veux pas d'argent ni rien ? Surprenant. Tu m'as prouvé à plusieurs reprises que tu es une femme digne de confiance. Je vais donc t'écrire une lettre de recommandation. Ça, c'est cool, si ça peut convaincre le vieux grincheux là-bas. Tiens, tu n'auras qu'à la donner à Gundobald. Ce vieux briscard était mon mentor quand j'ai rejoint la résistance. Il peut paraître froid au premier abord, mais c'est en réalité un dur au cœur tendre qui s'occupe bien de ses protégés. Je suis persuadé qu'il fera tout son possible pour t'aider. Non, si ça peut le dérider un peu. Merci, Mifrid. Bon, si j'ai bien compris, il n'y a plus qu'à rentrer à Petit Alamigo. Et Petit Alamigo, c'est pas la porte à côté. Vers le sud, direction le Tanalan. Il faut refaire un petit détour chez Buscaron. Oh, bon sang. 1 km à pied, ça use, ça use. Ouais, mais en même temps, ça c'est parce que je suis contre la téléportation. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, ben... Non, même pas. J'aime pas ça. Dans les jeux où on peut explorer comme ça, je préfère largement... profiter, promener... traverser toute la carte à pied ou avec les moyens de transport mis à disposition, mais... La téléportation, c'est vraiment quand on doit faire aller-retour constant, quoi. Ou pour les quêtes annexes, à la limite. Non mais c'est terrible, mais je suis comme ça. Après, est-ce que je tiendrai tout le jeu? C'est un MMORPG. Rien que l'aventure principale, ça m'étonnerait pas que ça fasse 200 épisodes le bazar, quoi. L'allure où avancent les choses. Donc, est-ce que sur la fin, je vais pas céder?
on va s'y tenir. On va essayer de ne pas utiliser l'ATP jusqu'au bout. Je suis têtu là-dessus. En même temps, faire un let's play sur un MMORPG, j'ai vraiment des idées farfelues des fois, mais bon. Disons que, comme c'est un MMORPG, justement, c'est un Final Fantasy, c'est un épisode plutôt méconnu de la saga dans son histoire. Si je parle de Final Fantasy 7, oui, tout le monde connaît grosso modo la trame scénaristique, les personnages, Cloud Strife, son rival Sephiroth, la mort tragique d'Aerys et tout le bazar. Pareil, Final Fantasy 8, Squall Leonard, leur ennemi c'était la sorcière, ils étaient à l'académie, là, à l'école au début. Bref, tout le monde connaît, grosso modo, dans les grandes lignes, les Final Fantasy numérotés, solo, Final Fantasy 13, Lightning, les Falci, tout ça, ces histoires de faux dieux qui règnent à coups de mensonges. Final Fantasy XV, le très controversé d'ailleurs, avec l'épopée du prince Noctis face à l'empire du Niflheim. Hardy Mizunia, tout ça. Ouais, même Final Fantasy XII. Vous connaissez grosso modo les grandes lignes et les personnages de la saga Final Fantasy dans les épisodes numérotés, mais le 14. Si je vous parle du 14, celui que vous êtes en train de voir en ce moment. Le fait que ça soit un MMORPG, en fait, en rebute pas mal, mais il porte pas le numéro 14 pour rien. Je le précise déjà dans mon test, qui dure une heure et demie quand même, sur le test que j'avais fait sur la chaîne. Il a quand même le numéro 14, son scénario est très bien ficelé, c'est un épisode à part entière, malgré le fait que ça soit un MMORPG à abonnement payant. Il faut savoir qu'il a quand même son scénario... certes fait d'une manière à la MMO, je suis d'accord, mais il y a un gros travail sur la mise en scène et les cinématiques malgré tout. Et ça fait la force quand même de ce MMO, et je pense que c'est ça qui le met au-dessus de la plupart des autres MMO du marché. Et le nom Final Fantasy y est aussi pour beaucoup, je pense. C'était la petite parenthèse sur le fait que Final Fantasy XIV est en fait un épisode de la série principale plutôt méconnu. Voilà. Bon, Grincheux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Si tu ne comprends pas les mots, peut-être que l'assiette... Et ça? Tu as vu Mefrid? Il y a tellement longtemps que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Je croyais qu'il était mort. Gloire aux 12. Je ne sais pas qui tu es ni d'où tu viens, mais les amis de Mefrid sont mes amis. Je connais cet individu masqué que tu recherches. Je vais te dire ce que je sais sur lui. Eh ben voilà, l'enquête progresse. Eh ben il était temps. Ça fait quelques épisodes que je commençais à désespérer, franchement. On prend la bague ou on prend le... Ou pire, il y a les sous. Ça, c'est toujours le dilemme. On va prendre la bague. Allez, ça peut toujours servir, ce genre de truc. De toute façon, avec les gants, on voit pas ce que je mets au doigt. Personnage, bague. Non, ça c'est les bracelets. Je suis un abruti fini aussi. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là, mais elle est pas mieux que celle que j'ai déjà en fait. Si je la mets sur l'autre, non? Bon, en fait, c'est pas mieux. Au niveau des coups nets, peut-être. Ah, bon. Bon, ça fait pas un quart d'heure de vidéo. On va enchaîner. Allez, j'ai validé. Voilà. Gundobal pense que les jeunes ont rencontré l'homme masqué que vous cherchez. Ton homme masqué a été aperçu à plusieurs reprises près de Petit Alamigo récemment. Il paraît qu'il organiserait des rendez-vous clandestins avec les gamins de la colonie. J'ignore ce qu'ils peuvent bien comploter, mais ça ne me dit rien qui vaille. Je te conseille de les interroger individuellement. Si tu leur dis que c'est moi qui t'envoie, ils devraient se montrer coopératifs. Méfie-toi quand même, certains sont assez impulsifs, pour ne pas dire agressifs.
comme les trois quarts des gens de cette colonie. Même le chef. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais enfin. Quoi? C'est Gundobel qui t'envoie? Purin, purin. J'étais sûr que cet abruti allait m'attirer des ennuis. Je lui ai pourtant dit qu'il fallait pas traîner avec ce type étrange. Mais il a refusé de m'écouter. S'il te plaît, dis à Gundobal que je suis innocente. Tu veux savoir si j'ai parlé à un homme masqué? Jamais de la vie. Je suis quelqu'un d'honnête, moi. Je traînerai pas avec des types qui cachent leur visage derrière un masque. Je sais pas trop quoi penser. Est-ce qu'ils nous disent la vérité? Est-ce qu'ils mentent? En tout cas, ils l'ont croisé, ça c'est sûr. L'homme masqué, s'il est pas dans la colonie, il traîne autour. Donc peut-être qu'on va bientôt croiser la Brea. Eh ben, plus le temps qu'on y court après. J'ai les points sur la carte, mais il y a rien. Ou alors c'est dessous. C'est dessous. Si j'ai vu un homme masqué dernièrement, laisse-moi réfléchir une minute. Non, ça ne me dit rien du tout. Mais comme je suis sympa, je vais prévenir tous mes potes et leur dire que t'en as après ce type. D'accord? Tu m'insultes en me posant cette question. J'admets qu'il y a beaucoup de types louches dans cette colonie, mais je suis pas l'un d'eux. Moi, je suis du genre à esquiver les problèmes, pas à les chercher. Faire un rapport à Gundobald. Ça, c'est dit. Bon, on va faire le rapport et je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo ici. Oh, je commence à bailler, ça va pas du tout, excusez-moi. excusez-moi. Je crois bien que c'est la première fois que je baille en vidéo. Gundobald, il est là. Alors, comment ça s'est passé? Ces vauriens t'ont donné des informations utiles pour ton enquête? Pas tellement, en fait, à peine. Je vois, il semblerait qu'ils soient tous en relation avec l'individu que tu recherches. Je t'avouerai que cette histoire commence à m'inquiéter. Ces gamins ont cette lueur de regard, de rage dans le regard, qui ne trompe pas. Je le sais, car mes camarades et moi étions comme eux 20 ans plus tôt. Cette colère nous a conduits à nous soulever contre le tyran qui gouvernait à la Migo à l'époque. Nous rêvions d'une révolution et nous l'avons eue. Malheureusement, elle nous a coûté notre liberté. Dans notre emportement, nous n'avons pas réalisé que nous étions manipulés par l'Empire. Lorsque nous l'avons compris, il était déjà trop tard. Il y a des moments dans la vie où il faut savoir être patient. C'est le cas aujourd'hui. Si on les laisse agir, ces jeunes vont semer le chaos parmi nous. Et je ne peux tolérer qu'une chose pareille se produise. Si tu apprends quoi que ce soit au sujet de leurs agissements, n'hésite pas à me prévenir. Allez les amis, c'est la fin de cet épisode de Final Fantasy XIV. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben laissez le petit pouce bleu, le commentaire. Et je quitte et moi, on vous dit à bientôt. C'était Kirito, votre raton préféré. A bientôt.